bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Par contre, faut trop que je vous montre mon pige avant de vous parler de cette vidéo. Regardez. Ouais, je sais, je suis pas la meuf qui porte des tenues sexy. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, je pense, va beaucoup vous plaire puisque je vais vous faire découvrir petit à petit dans la journée notre maison qui est avant tout la maison de Paga puisque c'est lui qui a fait les travaux de cette maison et elle a été achetée donc on n'est pas en location. Il y a vraiment une très belle histoire dans cette maison et bah là aujourd'hui je vais vous faire rentrer dans notre cocon d'amour de brioche, biscotte, Paga et moi. Je vais aller vite fait me préparer puisque je vous dis pas, ça sent un peu la chauve-souris dans ma bouche et j'ai un peu une tête voilà, ça va pas trop, faut vraiment que j'aille faire quelque chose. Donc du coup je vais vite fait à la douche, on se dit à tout à l'heure. Oh, we could fly. Voilà, je me suis préparée. Maintenant, il est temps pour moi de me laver les dents. C'est genre le truc le plus important parce qu'heureusement qu'il y a une caméra et que je suis pas en face de vous parce que sinon, je pense que je vous aurais asphyxié. Bon, ça y est, je me suis préparée. Bon, je vous explique, je me suis vraiment habillée que pour la vidéo parce que j'avais absolument rien à faire aujourd'hui, mis à part aller faire des courses. Donc du coup, je me suis mis un petit jean, un petit pull. J'ai pas fait l'effort ni de me coiffer, ni de maquiller. Bon, du coup, je vais pouvoir enfin commencer cette vidéo house tour, je sais pas comment vous dites. Donc là, on est déjà dans le salon. J'ai filmé un peu à la mode de Stéphane Plaza, genre en mode je vais vraiment vous vendre ma maison, quoi. On va commencer par découvrir le salon et je vais aussi en profiter pour vous expliquer et vous montrer où est-ce que j'ai acheté la déco parce que je sais qu'il y a plein de filles qui m'ont envoyé des messages pour savoir où est-ce que j'avais acheté mon canapé, la table, les chaises et plein d'autres trucs. Donc au moins ça va aussi vous permettre de pouvoir avoir certains bons plans, aussi de l'inspiration peut-être, parce que même si vous voyez à travers les stories, vous voyez pas vraiment tout, donc là vous allez pouvoir tout découvrir. Let's go. Alors là, je sors de la chambre et on arrive directement dans le salon. Ici, vous avez la porte d'entrée. Donc c'est là où tous les invités passent la porte. Il n'y a pas de tapis, ça c'est très grave. Il faut vraiment que je mette un tapis. Bon, on a aménagé il n'y a quand même pas non plus très 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 longtemps. Donc s'il manque des choses et qu'il y a des choses un peu en bazar, c'est normal. Alors ici, c'est la table à manger. Elle est juste incroyable, cette table. Alors tout ça, absolument tout ça vient de chez XXL Maison. C'est genre l'un de mes magasins préférés pour la déco. Ils font tout. La couleur des chaises, c'est moi qui ai choisi. La matière, la table, je pouvais l'agrandir, la rapetissir. Je pouvais faire tout ce que je voulais. La couleur de la table a changé. Enfin, c'est genre trop trop cool. Pareil, la petite statue ici. Je sais pas ce qu'il est trop en train de faire, mais je trouvais ça super beau. Je sais pas pourquoi. Ça vient aussi de chez XXL Maison. Donc là, vous avez le côté où on mange tout le temps. Là, vous arrivez dans le salon. Donc le canapé, c'est XXL Maison aussi. Il est genre tellement confortable. Je peux même pas vous expliquer. C'est un truc de ouf. Bon, voilà, j'étais obligée de vous montrer le rendu. Tellement il est moelleux. J'ai l'impression de me mettre dans un fondant au chocolat. C'est vraiment trop trop bien. Donc là, on passe en face. Donc au niveau de la télé. La petite déco qu'il y a autour de la télé, tout vient aussi de chez XXL Maison. Donc les gigantesques vases, la télé, elle vient de chez Boulanger. Vous avez aussi derrière la télé donc un petit meuble pour mettre, on a une enceinte derrière, on a des petits vases et là on a mis de la déco devant la fenêtre. Vous avez ici encore une déco qui vient de chez XXL et là c'est Brioche et Biscotte. Ils sont où? Hey, coucou. Qu'est-ce que tu manges toi encore? Attention hein. Assis. C'est bien mon amour, c'est bien. Vous avez aussi cette partie du salon qui est trop cool. Donc cette lampe aussi qui tombe sur le canapé vient de chez XXL Maison. Donc vraiment l'intégralité du salon c'est du XXL. Et ici on a mis cette petite table. Donc c'est un peu là où on met les clés, quelques petits papiers. Là il y a mon ordi, le parfum de maison. Et le gigantesque cadre qu'on a foutu à l'envers. Alors allez savoir comment on l'a fait, je sais pas. C'est pas moi qui l'ai mis ni Paga, c'est son père. Je n'en dirai pas plus parce que c'est mon beau-père et que je l'adore, mais ça paraît pas très logique, quoi.
Donc voilà, il y a aussi cette petite déco qui vient de chez XXL, la petite table ici transparente. Ce fameux miroir aussi vient de chez XXL. Et ce porte-manteau que je trouve incroyable, il vient aussi de chez XXL. Et ça aussi d'ailleurs, c'est dans l'entrée, vous voyez quand on rentre, en fait vous avez cette vue d'ensemble. Et là-bas, c'est la cuisine, on va y aller juste après. Petit aparté sur les lustres qui viennent aussi de chez XXL. On les a trouvés canons. Moi, pour ma part, j'ai eu un coup de cœur pour ces lustres. Vous avez tout vu déjà sur le salon. Et puis, on arrive dans la cuisine. Donc quand on arrive dans la cuisine, c'est comme ça. Alors là, vraiment, pardonnez-moi pour ce bazar. Ici, c'est le parc des chiens. En fait, c'est vrai que quand on n'est pas à la maison, je suis très inquiète de les laisser en liberté à cause des escaliers, etc. J'ai toujours peur. Donc ça nous permet de les laisser. Bon là, je vous rassure, ils restent pas dans le parc avec les cartons. C'est juste que ces derniers temps, je les mets pas du tout dans le parc. Je les laisse vraiment tranquilles. C'est côté flemme. Voilà, n'en parlons pas. On a ici des caves à vin. Étant donné que nous ne sommes pas des cavistes et que je ne sais pas pourquoi on a autant de caves à vin. C'est vrai que c'était prévu quand Paga a fait les plans de la maison. Il avait pris un architecte et d'intérieur et il lui avait proposé ça. C'est super, hein, mais voilà. Donc on s'en sert pas vraiment pour le vin. C'est super pratique. Par exemple, dans celui-ci, on a des légumes. Donc c'est très chouette. Et là, c'est un congèle. Donc vous voyez, ils se font bien dans la masse. Il vient de chez Boulanger. Vous avez aussi là où on range un peu tout. Il y a de l'eau, des gâteaux. Il y a un peu de tout, quoi. Et ici, je vais en profiter pour vous parler de ce que j'ai reçu de la part de HelloFresh. C'est genre trop cool. C'est ce que je conserve pour me faire des plats. Avec Paga, on s'éclate vraiment. Il y a des recettes incroyables. Ce que j'ai reçu, du coup, bah, c'est le carton HelloFresh. Donc vraiment très très cool. Vous avez ici le menu et là toutes les recettes. Donc moi j'ai 3 recettes différentes. Les lasagnes, enfin des lasagnes, ils appellent ça gratin façon spurs. Shepherd's pie, nouilles et bœuf haché au curry. Donc vous avez vu les petits sachets que je vous ai montrés, c'est tout ce que j'ai et je vais en profiter parce que j'ai pas mangé, donc je vais en profiter dans cette vidéo pour me faire un bon petit plat. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que je prépare, mais avant il faut absolument que vous connaissiez la marque HelloFresh parce que pour ma part c'est une vraie découverte. Bien que vous sachiez, je suis en collaboration avec eux et hyper contente parce que c'est les leaders mondiaux du kit repas. L'avantage bien précis, c'est que vous avez des fiches recettes qui vous indiquent comment cuisiner étape par étape. Donc ça, pour les personnes qui savent pas trop cuisiner et qui sont pas très passionnées et qui ont pas trop envie de perdre du temps à apprendre, etc., bah là vous allez être guidé par un programme sur mesure. Donc en fait, une recette bien précise. C'est fait à base d'ingrédients frais et de haute qualité qui sont pré-mesurés en quantité exacte afin qu'aucun aliment ne soit gaspillé. Donc ça, c'est génial. Pour ma part, je déteste gaspiller la nourriture et là, bah ça n'arrive pas. HelloFresh, ça se trouve exactement dans 17 pays différents, en France, aux USA, en Allemagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et plein d'autres. En 2021, ils ont livré plus de 600 millions de repas, arrivant à 5,3 millions de clients actifs, ce qui est juste énorme et c'est pour ça que je suis super fière de collaborer avec eux parce que c'est une marque qui est très 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 bien réputée. C'est des ingrédients de haute qualité, vous allez voir, c'est super bon et en plus, c'est super simple et rapide à préparer. Bon, je vous ai fait la petite explication sur HelloFresh, mais c'est aussi très important de vous expliquer ce que je suis en train de cuisiner. Là, je suis en train de faire des nouilles au bœuf haché avec du curry jaune. Et il y a aussi des petits légumes sautés avec des cacahuètes, c'est un délice. Donc, j'ai tous les ingrédients sur mesure, c'est-à-dire que j'ai tous les détails. J'ai ma petite recette qui m'indique combien de gingembre je vais mettre, combien de gousses d'ail, le mélange des légumes. Et je suis aussi très très bien indiquée sur les étapes, donc à quel moment je vais mettre les légumes, à quel moment je vais rajouter les nouilles, à quel moment je vais mettre la sauce soja. C'est vraiment très 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 pratique. Si ça vous tente, vous pouvez aller directement sur le lien que je vous mets dans la description. Vous allez pouvoir avoir jusqu'à 80€ de réduction sur tes 3 premières box avec le code HelloJou. Je remercie HelloFresh d'avoir bien voulu collaborer avec moi. Je suis super contente d'avoir pu vous présenter cette marque aujourd'hui et je vous invite à vous régaler avec HelloFresh. Bon appétit! Bon.
Bon, voilà, j'ai terminé de me faire à manger et c'est un bon wok des légumes. Bah, je suis trop contente de pouvoir collaborer avec eux parce que je reçois des recettes de ouf, moi qui adore cuisiner. Mais il y a vraiment, pour le coup, plein d'avantages. Là, j'ai fait un plat délicieux, super bon, en l'espace de genre seulement 20 minutes. Et on va juste régaler. Donc, vous avez des proportions bien dosées, la recette bien précise. Donc, même pour les personnes qui ne savent pas forcément bien cuisiner, bah, franchement, c'est génial. Je peux pas trouver mieux que d'avoir des recettes bien précises avec de la nourriture qui est en plus très bonne, avec de très bonnes recettes. Donc voilà. Hop là. Bon, bah, je vais manger. Je fais une petite pause déj. Et puis, je reviens vers vous tout à l'heure pour continuer le home tour. J'ai encore plein de pièces de la maison à vous montrer, dont la chambre, les chambres, la salle de jeu, la salle de cinéma et le dressing aussi qui est pour l'instant en bordel. Donc, je me tâte aussi à faire une pause entre deux pour pouvoir le ranger. Ou alors, je l'ajoute nature peinture et puis je vous montre le bordel que c'est dans mon dressing. Je sais pas encore. Donc, je fais ma petite pause manger et je reviens à tout à l'heure. Bon, j'ai bien mangé. Ça y est, j'ai le ventre bien plein. Donc, on peut continuer. Donc, on était dans les caves à vin par ici. Et là, vous avez bah, la pièce centrale. Donc, c'est ici, bah, là où je cuisine, en fait. Où je fais la découpe, etc. Vous avez la plaque à induction. Voilà, ici, c'est des rangements. Il y a les épices, les pâtes, les conneries, quoi. En haut, vous avez les assiettes, des verres. Vous avez une super machine à café. Incroyable cette machine à café. Génial. C'est nos beaux-parents, enfin mes beaux-parents, les parents de Paga, qui nous l'ont offert pour Noël. Génial. Ici, des tasses, des verres, des bols, des... voilà. Ensuite, on a ici tout ce qui est huile d'olive, sel, poivre, vinaigre. Le frigo principal, je viens d'aller faire les courses. Le micro-ondes, le four. Et voilà, vous avez une vue d'ensemble sur la cuisine. On arrive dans la première chambre d'amis. Notre chambre avec Paga, je vous la montrerai tout à la fin parce que c'est la pièce principale, c'est la meilleure pièce, c'est là où il y a le dressing et tout. Donc là, on rentre dans la première chambre. Alors, donc ce lit vient de chez Turquoise Meubles Marseille sur Insta, je vous mets le petit Instagram. Il est juste trop beau. On a trois chambres en tout dans la maison. Les trois lits viennent de chez Turquoise Meubles Marseille. Ils sont juste trop beaux. J'ai fait une déco un peu Bali, si on peut dire ça comme ça. J'adore l'univers de la chambre. J'ai trouvé un magasin pas très loin de la maison où ils vendaient vraiment toutes des pièces comme ça. Donc tout vient de là-bas, mis à part le lit. Les coussins, ça vient de chez Maison du Monde. Voilà, la parure de lit, c'est Maxi Bazar. J'adore ce magasin. Le petit plaid de lit aussi, ça vient de chez Maison du Monde. La petite table, c'est le magasin que j'ai trouvé où j'ai pris toute la déco un peu univers Bali. La petite déco qui a par-dessus, c'est aussi Maison du Monde. Ensuite, on est dans la salle de bain de la chambre. Donc, très très bien cette salle de bain, je l'adore. Donc voilà, vous avez ça. Ça vient de chez Maison du Monde aussi. Tout Maison du Monde. Le tapis, c'est aussi le magasin Bali. Donc voilà, là, c'est la chambre d'amis. Elle est vraiment trop trop cool cette chambre. Je l'adore, c'est là où elle dort ma soeur en ce moment. Hey, salut toi. On a ici un toilette. D'ailleurs, c'est une pièce genre où il y a grave de lumière. Par contre, la porte, elle tient pas vraiment. Et puis ensuite, on descend ici. Et quand on descend, on arrive directement sur une prochaine chambre d'amis encore. Alors ça vient de chez Maison du Monde, tout vient de chez Maison du Monde. Ce meuble, ça vient de chez Alinéa, ça aussi c'est Maison du Monde. Ce miroir aussi vient de chez Maison du Monde. La chambre d'amis. Donc voilà, ça c'est la deuxième chambre d'amis, donc, et après ça sera notre chambre à nous. Donc le lit aussi, c'est Turquoise Meubles Marseille. Les meubles, donc ça vient de chez Alinéa aussi, Alinéa. Là c'est toujours le magasin Bali. J'aime beaucoup cette chambre, j'adore la déco. Ça aussi c'est Maison du Monde. Ça, je trouvais que ça allait bien dans les couleurs que j'ai choisies. Et vous avez une salle de bain encore. Dans chaque chambre, il y a une salle de bain. Donc voilà, un petit panier pour le linge sale, des tiroirs, petite découverte, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Hop là. Donc voilà, très très sympa cette chambre. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ben, on part dans le couloir pour aller direction la salle de jeu, bar, cinéma. Mais avant, on passe dans le studio d'enregistrement. Alors, on y va tout de suite. Maybe it's something in the water. On a encore un petit couloir ici où on a mis un peu de déco. Direction le studio d'enregistrement. Ça, c'est la pièce
de Paga, sa pièce fétiche. C'est là où il passe la moitié de son temps pour tourner sa musique, etc. Il s'est fait vraiment un vrai kiff. Et il a bien eu raison d'ailleurs, puisque c'est sa passion et c'est ce qu'il aime le plus faire. Donc voilà, vous avez ici le petit truc pour chanter d'ailleurs. J'adore chanter dans cette pièce. Genre, je fais que... Comment ça s'ouvre? Je fais que lui dire « S'il te plaît, fais-moi chanter. S'il te plaît, fais-moi chanter. » Attends, je vous montre. C'est trop, trop bien. I heard that you settled down, that you found a girl and you married now. Bref, voilà, ça c'est vraiment le truc que je préfère faire dans cette pièce. Et c'est le truc genre que je peux me disputer avec Paga tellement je ne fais que lui demander « S'il te plaît, fais-moi chanter, s'il te plaît !» Je sais que je chante trop mal, mais j'adore chanter. Donc voilà la pièce favorite dans la maison de Paga, après notre chambre, après ce beau studio. Direction la salle de jeu. Ne faites pas attention au carton, il faut que je les jette. J'avoue que j'ai pas fait trop d'efforts pour ce home tour, mais je voulais quand même rester un peu nature peinture et pas que tout soit parfait, parce que je sais pas ce que je suis et c'est pas ce qu'on est non plus, on n'est pas parfait. Donc voilà, j'avais pas envie de faire genre pour la vidéo. Donc on a un billard qui est incroyable. D'ailleurs, pour le monter, ça a été une tannée. Pour ceux qui demandent, on l'a commandé sur Amazon à un prix quand même assez raisonnable. C'est comme, il est quand même mastoc quoi. Donc voilà, les lustres, c'est XXL maison. On a une petite penderie pour mettre les manteaux, etc, etc. Et là, mais ça, j'adore. Ici, c'est une de mes pièces préférées. Le cinéma! J'aime trop cette pièce parce que le canapé, il est genre incroyable. En fait, si vous préférez, ces deux pièces en bout, on peut les mettre ici et ça fait genre un lit gigantesque. Donc voilà, quand il fait noir, ça fait vraiment ciné-ciné. Pour le rétroprojecteur, c'est un Epson qu'on a eu chez Boulanger. Et là, un truc que Paga préfère aussi dans la maison, après le studio, j'avais oublié, c'est le bar. Alors là, il peut y passer quand on a des invités, il se régale à être derrière le bar, à servir tout le monde et tout, sa passion. Vous avez la vue d'ensemble sur la salle de jeu, cinéma, bar, je sais pas trop comment définir cette pièce, mais c'est une pièce quand même très sympa. Ensuite, je vais vous montrer la pièce que je préfère, c'est la chambre. Notre chambre à nous, parce qu'elle est tellement grande, notre chambre, que genre je peux y rester toute la journée. On a aussi une salle de bain avec une méga baignoire trop belle. Have you ever been in love? Have you... Ta-da! La chambre, notre chambre quoi. Ce lit qui est incroyable vient de chez Turquoise Meubles Marseille. Donc je vous en ai déjà parlé. Je vais vous remettre le petit Instagram, vous allez voir, vraiment il y a des trucs de ouf. Le miroir, c'est XXL maison. Et il y a encore un miroir là. Lui, il vient de chez Maxi Bazar, je crois, si je me trompe pas. Et voilà le bordel. Le bazar qu'il faut que je range. Mais vous vous doutez bien que j'ai aucune envie de ranger. Bref, quand vous montez ces escaliers, vous arrivez dans le dressing. On ira tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est le lit. Et on a aussi mis un rétroprojecteur dans la chambre. Donc là, c'est toujours un Epson. C'est le même rétro qu'on a mis en bas. Un petit peu plus petit quand même. Et on a aussi le truc blanc, le drap, je sais pas comment ça s'appelle, pour mettre, pour diffuser l'écran quoi. Et la salle de bain, la baignoire que j'adore. D'ailleurs, j'aime trop me prendre des bains ici. La douche, donc on a mis une douche chacun. Au moins, pas de dispute. Je pense que beaucoup de couples vont se reconnaître. La douche, c'est un enfer. Parce que c'est vrai que quand t'es avec ton chéri, t'apprécies te prendre une petite douche avec ton chéri et tout. Mais c'est relou parce que quand tu donnes le pommeau à ton copain ou à ta copine, du coup, tu te retrouves dans le froid comme ça à attendre qu'elle ait fini et tout. Et du coup, on s'est dit, est-ce que c'est peut-être pas plus judicieux d'en mettre deux? Donc voilà, au moins on est tranquille quand on se prend la douche. On peut se faire des petites discussions et ne pas avoir froid et surtout ne pas se disputer. Là, c'est du coup l'endroit où je me maquille, je me démaquille, je me empige. C'est un peu le bazar. Désolée. C'est vrai que j'aurais pu prévoir de ranger à l'avance, mais enfin, vous me connaissez quoi. Je vais pas épiloguer sur le sujet, comment dire. Et voilà, il ne manque plus qu'à vous montrer le dressing. Donc je vais y aller tout de suite.
Je vais d'abord aller ranger un petit peu. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous mettre les détails, les Instagram, les réseaux sociaux de là où j'ai fait la déco, donc XXL Maison, Turquoise Meubles Marseille, vraiment tous les endroits où on a pris, que ce soit les lits, le canapé, la table, les chaises, comme ça. Si jamais bah, vous avez eu un coup de cœur pour quelque chose qu'il y a chez nous, bah, vous savez où est-ce que vous pouvez aller pour le prendre. Donc voilà, je vais aller ranger un petit peu mon dressing. Bon, les amis, on est de retour. Enfin, je suis de retour avec vous. Figurez-vous qu'il y a genre, je sais pas, entre tout à l'heure et maintenant, peut-être 3 heures qui se sont écoulées et j'ai fait que ça. Genre, j'ai une flemme monumentale. Si je vous avais filmé, bah en fait, je faisais rien. J'étais sur le canapé, sur mon téléphone. Donc là, je me bouge et je me suis dit que c'était trop nul de vous filmer genre que quand c'était super bien rangé. Donc, j'ai ma sœur qui va me filmer. Donc, je vais vous faire découvrir le dressing en bazar. Voilà, par contre c'est vraiment un dressing qui a été conçu spécialement pour Paga et moi parce que bah, comme vous pouvez voir à un moment donné ça passe plus. Damn. Donc si tu te baisses pas et si tu fais pas maximum 1m60 je pense qu'ici tu rentres pas. Donc voilà, c'est vraiment pour Paga et moi ce dressing. Bon c'est le bazar, il y a un gros carton là, je sais pas ce que c'est. Il y a des cartons un peu partout. Ça fait pas encore très très longtemps qu'on a aménagé, donc du coup on est vraiment en train de faire au mieux. Hop, je disais que pour la taille il fallait vraiment faire très attention. Bon en tout cas c'est mon dressing. Ta-da. Il y a des habits un peu partout. Là-bas. Et là-bas, c'est le dressing de Paga. Paga Santoni Tatini. Juste ici. C'est un foutoir pas possible, pareil. De son... Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plus. En tout cas moi elle m'a grave plu, c'était grave cool de tourner cette vidéo, c'était vraiment trop bien. Si jamais cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, un petit commentaire si vous avez envie, si vous avez des petites questions aussi n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si la vidéo vous a plu, si mes vidéos vous plaisent et si vous avez envie de voir les prochaines. Je vous fais de gros 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 gros